Nous sommes dans une thématique depuis quelques semaines qui s'appelle « Infiniment plus ». Cette thématique a été choisie non pas parce qu'on trouvait le titre aguicheur, comme j'ai pu déjà vous le partager, mais parce que c'est l'apôtre Paul lui-même qui utilise cette expression « infiniment plus ». Alors que Paul écrit à l'église d'Éphèse, Paul parle des richesses infinies qui sont en Christ, Paul parle de la bonté et de la grâce infinie de Dieu, Paul parle de la sagesse infinie de Dieu, et Paul, en plein milieu de sa lettre, apporte un verset qui est une source de vie pour chacun d'entre nous dans notre foi. Ce verset, c'est celui-ci: « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Et alors que nous entrons dans cette année 2021, nous entrons avec des attentes, peut-être certains avec des résolutions. Eh bien, nous voulons croire que Dieu est capable et il veut faire infiniment plus dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans nos combats personnels et dans nos défis, dans nos fardeaux et nos préoccupations. Nous voulons croire que Dieu va faire infiniment plus. Ce matin, le sujet principal de ce message est résumé en un titre qui est « La prière infiniment plus efficace ». Nous allons parler de la prière ce matin. Et la première question que j'ai souvent entendue dans les années précédentes, que vous avez peut-être entendue, voici cette question. Combien de temps consacrez-vous par jour à la prière? Combien de temps consacrez-vous par semaine à la prière? Si vous êtes en couple, est-ce que vous consacrez du temps en couple à la prière? Si vous êtes en famille, avez-vous un moment de culte familial chaque jour? J'ai souvent entendu ces questions. Et lorsque j'entends cette question, quelquefois je suis assez motivé à l'idée d'accomplir ainsi ces prières quotidiennes, et quelquefois je culpabilise. Vous avez peut-être entendu comme moi certains témoignages, des témoignages qui disaient qu'il y a un missionnaire en Afrique qui chaque jour prie 5 heures, et ensuite il poursuit avec 2 heures de lecture biblique, et au total il a 7 heures consacrées à Dieu. Et lorsque j'entends ce témoignage, je suis évidemment admiratif, mais ce n'est pas ma réalité, et je ne pense pas mentir en disant que ce n'est pas votre réalité non plus. Ces prières qui durent des heures et des heures, chaque jour, c'est peut-être un idéal, mais je vais être très honnête, je ne le vis pas. Alors il est important pour nous de mettre le doigt sur une réalité, c'est que nous sommes occupés. Nous sommes incroyablement occupés. Cette expression « métro, boulot, dodo », c'est une réalité pour chacun d'entre nous. On se lève le matin, on s'occupe des enfants, on entretient la maison, ensuite on part au travail, on est dans les embouteillages, on arrive au travail, on passe toute notre journée. On quitte le travail à 18h, on est à nouveau dans les embouteillages, on arrive, il est 19h, on doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, on doit les faire manger, ensuite on doit un peu discuter avec eux pour ne serait-ce que prendre un peu soin de nos enfants, et à ce moment-là, eh bien, on va les coucher, il est 21h30, on s'assoit, il est 22h. On a juste envie de rester encore une demi-heure assis avant d'aller se coucher et d'avoir à nouveau la même journée. On a l'impression que nos jours et nos semaines s'enchaînent et nous n'avons pas le temps. Voici une vérité. Nous n'avons pas de temps à consacrer à la prière. Mais voici la deuxième vérité. Si la Bible met autant d'emphase sur la prière, si la Bible montre à quel point la prière est importante, primordiale, nous devrions alors prendre le temps nécessaire pour prier. Je suis d'accord avec chacun d'entre vous, je n'ai pas de temps pour prier. Mais je crois que c'est de ma responsabilité que de le prendre, que d'anticiper sur ma semaine, que d'ouvrir mon agenda des semaines en avance et de poser des créneaux pour dire de 8h à 9h je prie, de 21h à 21h30 je prie, de midi à midi et demi je prie. C'est d'avoir des moments de prière. Sans ces moments de prière, nous ne rencontrons pas Dieu. Sans ces moments de communion avec Dieu, on ne le voit pas et nos semaines passent et on est trop occupé pour faire quoi que ce soit. Et je crois que c'est de notre responsabilité que de se saisir de notre temps. Si nous ne faisons pas cet effort, le temps passe et nous n'avons pas eu de communion avec Dieu. Il y a un verset pour moi qui est tellement important dans la Bible et qui nous montre à quel point il est important d'avoir une habitude de prière. Et c'est Jésus lui-même dans les évangiles qui parle de son habitude de prière. On peut lire ensemble Marc chapitre 1er, on va lire au verset 35. Marc chapitre 1er au verset 35. « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Verset extrêmement simple que nous comprenons tous. Avant même que le soleil se lève, Jésus prend un temps à part dans un lieu désert pour prier. Et ce verset, il n'est pas seulement une seule fois dans les évangiles, mais on le retrouve plusieurs fois dans Matthieu, plusieurs fois dans Marc et dans Luc. On voit que c'est l'habitude de prière de Jésus. On voit que Jésus est capable de se mettre à l'écart pour prier. La mention dans un lieu désert nous montre que Jésus se met hors de la vie active, de la vie sociale, hors de cette vie qui est de sa vie très occupée comme chacun d'entre nous. Jésus se met dans un lieu désert pour pouvoir prier. Il fait cet effort de quitter la vie active, de quitter la vie sociale pour pouvoir prier. Et je pense que c'est dans notre responsabilité de trouver du temps, de faire cet effort, de quitter
La vie sociale, la vie active, toutes nos activités qui se pressent chaque jour dans notre semaine pour pouvoir prier. Mais honnêtement, lorsqu'on imagine l'agenda de Jésus, on pourrait se dire qu'à part enseigner, guérir et prier, on pourrait imaginer que Jésus n'avait rien d'autre à faire. Jésus était bien plus occupé que chacun d'entre nous. En particulier, on vient de lire ce passage dans l'évangile de Marc et on va lire au fur et à mesure le chapitre 1er de l'évangile de Marc. Marc a écrit l'évangile d'une façon très particulière en comparaison de Matthieu ou de Luc. Marc, ou quelquefois surnommé Jean-Marc, était un proche de l'apôtre Pierre. Et ainsi, c'est grâce au souvenir de l'apôtre Pierre, Pierre qui a suivi Jésus, qu'il va rédiger l'évangile de Marc. Et dans son évangile, il ne va pas mettre les discours, les enseignements, toutes les paraboles, tous les sujets doctrinaux, il ne va pas les mettre en avant. Il va même quelquefois en enlever, il va très peu en mettre, et il va mettre de l'emphase sur les actions, tout ce que Jésus va faire. Et on découvre dans l'évangile de Marc que Jésus prêche. Paragraphe qui suit, Jésus guérit. Paragraphe qui suit, Jésus voyage. Il va à droite, il va à gauche. Et en une seule journée, on voit Jésus qui voyage, qui se déplace, qui rencontre. Jésus ne cesse d'être en activité. Et il n'est pas seul. Il doit gérer 12 autres hommes avec lui, ses 12 disciples. Et il n'est même pas seulement avec les 12 hommes. Les foules entières le pressent. Il a tellement d'obstacles dans son quotidien, tellement de choses qui viennent le presser. Jésus est occupé. Quelquefois, il passe toute la nuit à travailler, à enseigner, à guérir, pressé par la foule. Jésus avait un agenda encore plus chargé que chacun d'entre nous. Et pourtant, il était prêt à faire cet effort de se mettre dans un lieu désert, de quitter les activités sociales, les activités professionnelles, toutes les activités pour se mettre dans un lieu désert et prier. Si Jésus fait cet effort alors qu'il est Dieu incarné, à plus forte raison, nous devrions nous aussi arriver à trouver ce courage, cette détermination, à prendre cet effort pour pouvoir prier chaque jour. J'ai un ami, et je tairai son prénom puisque certains le connaissent peut-être, il a depuis quelques années démarré une entreprise. Entreprise qui, c'est une bonne nouvelle, a très très bien fonctionné. Il est passé de seul à des dizaines et dizaines d'employés en très peu d'années. Il avait un bâtiment initialement, aujourd'hui il a 8 ou 9 bâtiments liés à son emploi et il a vraiment eu un beau développement d'entreprise. Et pour ceux et celles qui ont déjà ouvert une entreprise, j'ai cru comprendre que dans les premiers mois, voire les 2 premières années, on consacre tout notre temps et toute notre attention à cette entreprise. Et donc il a consacré en effet tout son temps et toute son attention. Il travaillait du lundi matin 7h au dimanche 23h. Et il ne faisait pas de pause. Et il voyait très peu, voire pas du tout sa femme, ni ses enfants. Et après 3-4 années, il sent le burn-out venir. Je ne le connaissais pas à cette époque, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Il savait que dans sa vie, il y avait quelque chose qui manquait d'équilibre. Et il essayait évidemment d'arranger sa vie pour avoir un peu plus de temps avec sa femme, ses enfants, et de faire attention, mais il était tellement concentré sur son travail qu'il n'y arrivait pas. Alors en discutant et en travaillant ensemble, il a décidé de mettre Dieu au centre de sa vie. Il a décidé de mettre des créneaux de prière. Il avait un agenda évidemment chargé, peut-être plus chargé que la plupart d'entre nous. Il avait un agenda chargé. Et malgré tout, il s'est dit, si à 15h, j'ai un rendez-vous professionnel, et ensuite j'ai 15 minutes de battement, et bien dans ces 15 minutes, je ferme ma porte à clé, je ferme les rideaux, et je prends 15 minutes de prière. Le midi, au lieu de manger pendant 1h30 au restaurant et manger avec les collègues de travail, eh bien, je m'enferme, je prends une petite boîte, je mange pendant 20 minutes et ensuite je prie. Le matin, avant de faire le bilan avec les collègues de travail et les employés, eh bien, je me prends 15 minutes pour prier avant quoi que ce soit. Il a fait un effort de mettre Dieu au centre. Et à la suite de cet effort, alors que chaque jour il rencontrait Dieu, il était comme influencé par Dieu, il était comme influencé par ses moments de prière. Et la sagesse et le discernement est arrivé. Il a réussi en l'espace de 3 semaines à réorganiser toute son entreprise pour faire en sorte qu'il faisait presque des horaires de bureau. Il a pu enfin passer du temps énormément avec sa femme. Il a commencé à faire du sport pour prendre soin de soi. Et il a pu prendre soin de son enfant. Ils ont même un autre enfant depuis. Et donc toute sa vie est devenue équilibrée parce qu'il a décidé de mettre Dieu au centre. Je crois que peu importe nos occupations, nous sommes capables de mettre Dieu au centre. Je pense qu'il est prioritaire pour nous de mettre des temps de prière chaque jour dans notre agenda. S'il a réussi, si Jésus réussissait, alors nous pouvons le faire. Je pense que, alors que Jésus avait une habitude de prière, nous pouvons découvrir dans Marc chapitre 1er tout un tas d'éléments qui coïncident avec sa proximité de Dieu. Et nous découvrons dans Marc chapitre 1er que tout un tas d'événements s'enchaînent, mais Jésus, à la différence des personnes lambda, Jésus a une vie différente et son habitude de prière, sa vie de prière n'y est pas pour rien. Alors, lisons ensemble Marc chapitre 1er, on va reculer dans les versets, on va commencer à partir du verset 21. Lisons ensemble, Jésus et les disciples se rendirent à Capernaum.
Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Et on s'arrête là pour le moment. Le jour du sabbat, Jésus et ses disciples, en l'occurrence Jean, Jacques, Simon et André, vont à la synagogue. Et Jésus commence à enseigner. La foule, les auditeurs, ceux qui sont présents, entendant l'enseignement de Jésus, sont impressionnés. C'est ce que le texte nous dit, ils sont impressionnés. Pourtant, ils ne devraient pas forcément être impressionnés parce qu'ils ont souvent des enseignements. Ce n'est pas Jésus qui enseigne habituellement, ce sont les pharisiens, les sadducéens, les spécialistes de la loi. Mais ils sont impressionnés parce que Jésus enseigne avec autorité. Cette différence entre les spécialistes de la loi et de Jésus est cruciale pour ce passage. Les spécialistes de la loi, c'est toutes les castes religieuses qui enseignaient habituellement, n'étaient pas comme Jésus. Certains s'acoquinaient avec le pouvoir. Certains étaient prêts à manipuler les foules et le peuple pour leur dû, pour l'argent, pour le pouvoir, pour la gloire. Et donc leurs attentes n'étaient pas des attentes honnêtes. Ils étaient bien souvent dans l'injustice, dans l'abus vis-à-vis du peuple. Jésus n'était pas du même bord. Jésus, chaque jour, priait. Chaque jour, rencontrait son Père. Chaque jour, était dans cette communion. Il y a deux profils différents, le profil de Jésus et le profil des spécialistes de la loi. Et je crois, si nous aussi, nous ne rencontrons pas Dieu chaque jour, nous ne sommes pas alors influencés par Dieu, mais nous rencontrons d'autres choses. On rencontre nos collègues de travail qui disent toutes sortes de choses. On écoute les médias, tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire. S'il pleut, on est triste. S'il fait beau, on est heureux. Si on entend une bonne nouvelle, ça va. Si on entend une mauvaise nouvelle, ça ne va pas. Et on écoute, on entend et on se nourrit de tout ce qui est autour de nous. Je crois qu'il est de notre responsabilité chaque jour de s'arrêter dans la présence de Dieu, de prier, d'avoir ce moment de communion, pour ne pas seulement être alimenté par tout ce qui est autour de nous et qui nous nuit et qui quelquefois est malsain et qui nous détruit, plutôt que, au contraire, d'être nourri par Dieu. Et je crois qu'au moment où on a cette relation régulière chaque jour avec Dieu, on commence à être influencé par Dieu, comme une relation amicale où plus on se voit cette relation dure, eh bien, on sait ce que l'autre pense, on sait ce que l'autre veut, on sait ce que l'autre ne veut pas. Dans la relation entre nous et Dieu, il y a le même principe. On commence à comprendre le cœur de Dieu, on commence à comprendre sa volonté, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu ne veut pas, on commence à comprendre quand Dieu nous dirige, on commence à prendre conscience de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit. Il y a une nouvelle dimension dans notre foi qui apparaît lorsque chaque jour on s'approche de Dieu. Et je pense que dans notre quotidien c'est important parce qu'on peut tellement s'alimenter de toutes sortes de choses, mais cela ne va pas nous donner la sérénité, cela ne va pas nous donner la capacité de faire les bons choix, cela ne va pas nous donner un esprit bien disposé. Mais lorsqu'on s'alimente de Dieu chaque jour, nous sommes alors éclairés et rafraîchis par notre relation avec Dieu. C'est de notre responsabilité en 2021 que de s'engager pour les 365 prochains jours à prier, à s'approcher de Dieu, à être en communion avec Dieu. Jésus enseigne avec autorité parce qu'il est influencé par son Père. Les spécialistes de la loi n'ont pas cette proximité avec Dieu. Ils n'ont pas cette autorité. Je crois que si nous voulons que notre quotidien soit influencé par Dieu, c'est alors notre responsabilité chaque jour que de le rencontrer. Et j'ajouterais même, peut-être une réciproque, si à l'heure actuelle, dans un moment d'introspection, on est capable de dire « Moi, je ne vois pas Dieu agir. Ça fait bien longtemps que je ne ressens plus sa présence. Quand j'entre dans l'église pour la louange, pour le moment de prédication, je ne sens plus sa présence. Je ne vois pas Dieu répondre à mes besoins. Je n'y arrive pas, il n'y a plus cette communion. » Et bien, je pense que c'est parce que c'est de notre responsabilité, nous, d'avoir cette discipline spirituelle, que de prier chaque jour, que de le rencontrer, afin d'être à nouveau clairvoyant de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut. Dieu n'est pas passif, Dieu n'est pas absent, Dieu est là et il attend de nous rencontrer. Il désire ardemment passer ce moment avec nous. Le texte se poursuit, on a un peu les activités de la journée de Jésus et on a le prochain événement, la prochaine activité, toujours Marc chapitre 1er, le verset qui suit. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es le saint envoyé par Dieu. » Mais dans ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsions et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée.
alors que Jésus est en train d'enseigner avec autorité, avec sagesse aux auditeurs qui sont présents et que la foule est impressionnée, il y a un homme tourmenté, un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais qui est là. Et le texte nous dit qu'alors que Jésus, d'un ton sévère, il ordonne à cet esprit impur d'être chassé, de partir, on voit Jésus rempli d'assurance. Et d'un autre côté, nous voyons la foule saisie de stupeur. D'un côté, on voit Jésus qui, dans la bouche de l'homme qui a un esprit impur, on entend que Jésus est le saint envoyé par Dieu. Et d'un autre côté, on entend que l'homme a un esprit mauvais. Nous voyons ces comparaisons entre le saint et celui qui a un esprit mauvais, entre celui qui est rempli d'assurance et de confiance et la foule qui est saisie de stupeur. Je crois que alors que nous avons cette proximité avec Dieu, il est capable de nous influencer, il est capable de nous apporter une compréhension de la situation beaucoup plus fine, beaucoup plus affinée. On a comme les yeux de Dieu, la perception de Dieu sur certaines situations. Il y a tellement de choses autour de nous qui sont capables de nous ébranler, qui sont capables de nous faire peur. On peut être, nous aussi, saisis de stupeur face à certaines situations, des situations qui nous échappent, des situations qui nous font peur, des situations qui nous écrasent. Mais je crois qu'alors que nous avons cette communion avec Dieu chaque jour, nous n'avons pas le même regard sur les situations. Nous avons la paix de Dieu en nous. Nous avons une foi débordante. Nous avons alors comme le cœur de Dieu en nous. Et nous ne sommes pas saisis de stupeur. Nous sommes en pleine maîtrise de la situation. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a pas la colère, il n'y a pas la tristesse, mais il y a juste ce sentiment d'assurance et de confiance. Jésus a ce comportement, a ce caractère face à la situation parce qu'il est en communion avec Dieu. Nous rencontrons trop de situations où nous avons peur. Trop de situations complexes, trop de situations écrasantes. Moi le premier, combien de fois j'ai eu peur, combien de fois vous avez eu peur, combien de fois on ne sait pas comment réagir, parce que de même qu'il y a cet homme qui a un esprit impur qui est là, c'était étonnant pour l'époque, parce que dans l'Ancien Testament, on parle très peu de personnes tourmentées, de personnes avec un esprit mauvais. Dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, on en parle très peu également, c'est surtout dans les évangiles, donc une minorité de la Bible où on parle de ces esprits mauvais. Et face à tout cela, eh bien évidemment que la foule est saisie de stupeur. Évidemment qu'il y a tout un tas de situations dans notre vie où nous ne savons pas comment réagir. Parce qu'il n'y a pas de solution évidente. Parce qu'il n'y a pas de résultat simple à une équation. Mais Jésus, dans sa communion avec Dieu, il sait comment réagir. Il n'a pas cette peur, il a cette confiance en Dieu, il a cette assurance. Et il est capable de menacer l'esprit impur qui tourmente cet homme. Et il le délivre. Je crois que cette année 2021, nous devons nous engager chaque jour à prier. Le but n'est pas de nous culpabiliser de ce qu'on a réussi ou pas réussi à faire en termes de discipline spirituelle. Le but est de comprendre que c'est nécessaire pour notre propre vie. La vie de prière, l'habitude de prière quotidienne est nécessaire pour notre vie. Mais les événements autour de la journée de Jésus ne s'arrêtent pas là. Voici un autre événement qui suit, toujours Marc chapitre 1er, les versets qui suivent. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Ce paragraphe, je pense, est le plus beau de celui qu'on s'apprête à lire. Parce que le texte nous dit qu'en sortant de la synagogue, c'est-à-dire que les événements se poursuivent, c'est de minute après minute, d'heure après heure, ils sortent de la synagogue et Jésus, Jacques et Jean vont chez Simon. Pourquoi ? Parce que la belle-mère de Simon étant malade, Simon est certainement rentré chez lui. Mettons-nous à la place un instant de Simon. Simon est à la synagogue et il entend les enseignements d'autorité de Jésus. Évidemment qu'il les entend, il est là. Jésus a vu que quand l'homme avec un esprit tourmenté est arrivé, eh bien Jésus l'a délivré miraculeusement. Simon a assisté à tout cela, évidemment. Mais Simon a une préoccupation. Sa belle-mère est malade. Et ce n'est pas seulement une montée de fièvre, ce n'est pas une montée de température. Certaines traductions nous disent une forte fièvre, et les interprètes disent que puisqu'elle est couchée avec une forte fièvre, elle est peut-être aux portes de la mort. Certains disent qu'elle est peut-être dans le coma à ce moment-là. Elle est incapable de se lever, incapable de les servir. Elle est juste allongée, souffrant. Évidemment que Simon est préoccupé. Et je sais que c'est la situation de certains d'entre nous. Où on vient, on tente de venir dimanche après dimanche, et on apprécie les moments de louange, on apprécie le moment où on ouvre la Bible, mais on a une préoccupation. On a une préoccupation personnelle, on a un besoin personnel, peut-être que personne d'autre autour de nous le connaît ce besoin, mais nous, il est là, il est dans notre cœur et on le porte.
Et on a tellement du mal à profiter des enseignements de Jésus, on a tellement du mal à profiter des miracles de Jésus parce qu'on est trop occupé. Il y a ce souci qui est là. La vérité, c'est que dimanche après dimanche, on peut venir autant de fois qu'on veut à l'église. Simon pouvait venir autant de fois qu'il veut à la synagogue, ça n'aurait rien changé. Tant qu'il n'a pas fait la démarche suivante. Le texte nous dit que aussitôt on parla d'elle à Jésus. C'est-à-dire que aussitôt les proches de la belle-mère de Simon, et peut-être Simon lui-même, ont parlé de la situation à Jésus. Ils n'ont pas attendu. Mais aussitôt, c'est le aussitôt qui change radicalement l'histoire de Simon. Parce que Simon aurait pu être juste quelqu'un de préoccupé pendant le reste de sa vie. Mais il est devenu le disciple que l'on connaît et l'apôtre que l'on connaît. Parce que aussitôt, il a parlé de sa belle-mère. Aussitôt, il a parlé de son besoin à Jésus. Et sa vie a pris une autre tournure à ce moment-là. Parce que Jésus est entré chez Simon. Jésus est entré chez Simon. Et regardons la démarche. Jésus s'est approché de sa belle-mère. Et Jésus l'a pris par la main pour la relever. Tellement de proximité, on voit que Jésus transpire de compassion et d'affection pour la belle-mère de Simon. Et je crois que Jésus veut faire la même chose pour chacun d'entre nous, peu importe nos préoccupations et nos fardeaux. Alors qu'aussitôt on les partage à Jésus, il veut venir chez nous, il veut s'approcher de nous et il veut nous tendre la main avec compassion et affection pour répondre à nos besoins. La même démarche, c'est une démarche actuelle pour chacun d'entre nous. Nous pouvons encore et encore et encore être préoccupé, être écrasé par nos fardeaux, mais on peut prendre la décision chaque jour dans notre nouvelle habitude de prière que de présenter à Dieu nos fardeaux. Approche-toi, viens dans ma vie, viens dans mon foyer, réponds à mon besoin pressant parce que je n'arrive pas à profiter de tes enseignements, de tes miracles tant que mon besoin n'est pas répondu. Et Dieu est un Dieu fidèle qui tend la main. Non seulement Dieu sera capable de nous donner cette persévérance nécessaire au quotidien, mais en plus, au bout de la persévérance, il interviendra miraculeusement. Amen. À ce moment-là de cette histoire, on a l'impression que Jésus a déjà fait tellement de choses dans sa journée. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Il y a eu une interruption avec une personne qui était tourmentée et Jésus a géré la situation miraculeusement. Ensuite, Jésus est parti, il s'est occupé de son disciple Simon et puis il a guéri sa belle-mère et on pourrait se dire « extraordinaire ». Vous n'avez pas vu tout ce que Jésus a déjà fait dans sa journée. Mais à ce moment-là, au moment où toute la ville avait certainement entendu parler des deux miracles et des enseignements d'autorité, on pourrait se dire, Jésus, extraordinaire, on est déjà admiratif de tout ce que tu as fait. Mais Jésus ne s'arrête pas là. On peut lire la suite, Marc chapitre 1 toujours, les versets qui suivent. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'il le connaissait. La thématique de ce mois, c'est infiniment plus, parce que Dieu veut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À ce moment-là de la journée de Jésus, on aurait pu imaginer qu'il a déjà fait tellement de miracles, qu'il a déjà bien travaillé, mais Jésus a voulu faire infiniment plus pour cette ville. Le texte nous dit que tous les malades et les démoniaques s'approchaient et Jésus les guérissait. Jésus chassait les démons. Imaginez la scène, j'ai du mal à m'imaginer socialement comment ça se passe. Est-ce que Jésus est au milieu d'une place publique et les gens sont à la file indienne? Est-ce qu'ils sont en demi-cercle? Est-ce qu'ils sont par groupe? Est-ce qu'ils sont par vague? Je ne sais pas, mais on a l'impression que c'est des foules entières qui s'approchent de Jésus parce qu'ils sont pressés, parce que comme Simon, ils ont un besoin personnel qui doit être répondu. Et seul Jésus est l'acteur de leur salut et de leur rédemption. Alors évidemment qu'ils s'approchent de Jésus et Jésus fait infiniment plus pour cette ville que ce que chacun pourrait imaginer. Jésus veut faire la même chose pour chacun d'entre nous. On vient en 2021 avec nos attentes, avec nos espoirs. On espère que certaines situations puissent se résoudre. On espère que nos défis personnels puissent évoluer. On espère que tellement de choses puissent évoluer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut faire infiniment plus que tout ce qu'on imagine. Jésus veut faire tellement plus de transformation, de bénédiction, de guérison. Jésus veut tellement plus nous réhabiliter qu'on l'imagine. Et cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous cette année, en 2021, alors qu'on prend ces nouvelles habitudes de prière. Adolescent, je suis devenu timide. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être réservés, et donc vous comprenez ce que c'est d'être timide. Et d'autres, vous êtes peut-être timide, et donc vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Et d'autres, vous êtes précisément comme moi, vous savez que la timidité vous a fait souffrir, et vous a gâché une partie de votre vie. Lorsque je dis que j'étais timide à ce point-là, c'est que, comme vous le savez, quand on est adolescent, jeune adulte, au lycée et à l'université, on doit intervenir. Quelquefois en public, et après chaque intervention, pas après chaque, mais quelquefois après certaines interventions, je vomissais. Je me sentais tellement mal que j'allais vomir, et quelquefois, tellement que je n'arrivais pas à vomir, je me faisais vomir après une intervention. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et cette timidité a été à tel point que
avec Joséphine, on n'était pas encore fiancés, mais on se découvrait et on se baladait dans les rues de Rouen tout simplement. Et simplement, le regard des autres me faisait tellement de mal que quelquefois, juste, je me mettais en colère. C'était une issue de secours. Ça me permettait d'avorter notre après-midi. Quelquefois, je me mettais à pleurer juste dans la rue parce que j'étais mal, j'étais terrorisé de là où j'étais. La timidité était à tel point que je me souviens de deux mariages qu'on a fait, un mariage où, je me souviens de certaines choses, je me souviens de me cacher dans les cuisines, derrière les meubles, juste pendant les 2-3 heures qui suivent, pour ne pas rencontrer les autres, pour ne pas être en contact avec d'autres, pour que personne ne me voie, pour rester incognito. Ça a duré plusieurs années, c'était évidemment horrible. Et en même temps, je me suis converti à cette époque. Dès le début de mon adolescence, je me suis converti. Et j'ai accepté évidemment Jésus comme sauveur et je découvrais Dieu bien maladroitement. J'ai fait tellement d'erreurs, tellement de mauvais choix, tellement de bêtises derrière, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu il nous aimait quand même et il nous tendait la main. Alors, admiratif de l'amour de Dieu, je me suis engagé dès l'adolescence à servir Dieu quoi qu'il arrive. J'ai offert ma vie, mon argent, mon énergie, mes compétences, tout mon avenir, toute ma famille. J'ai tout offert dès mon adolescence à Dieu parce que j'ai décidé de lui offrir tout mon temps. Sauf que ça, c'était une belle promesse. À côté de ça, j'étais timide. Et donc, il était pour moi incohérent de servir Dieu et d'être invisible et de fuir et de ne pas être vu et de ne pas voir personne. C'était incompatible. Et je me souviens, les années passent et j'avais quelques opportunités quelquefois de servir d'une petite façon dans certaines églises et j'ai toujours refusé parce que j'avais mon incompétence, j'avais mes incapacités, j'avais ma timidité qui m'écrasait complètement. Et les années passent. Et vers peut-être 17-18 ans, j'ai commencé pour les premières fois de mes années de vie chrétienne à enfin avoir une vie de prière. Elle était très fragile, elle était très maladroite, mais j'ai commencé à avoir une habitude de prière. J'ai commencé à prier régulièrement, presque tous les jours, et cette vie de prière m'a permis de faire confiance à Dieu et d'obéir. Alors, vers 18-19 ans, je fais cet acte d'obéissance et je dis, bon, bah, en effet, je vais te servir quoi qu'il arrive, et je pars à Montréal selon ce que j'ai à cœur, selon mes convictions, pour me former dans une université théologique. Et le temps passe, je rencontre deux professeurs à deux moments différents et je leur demande, est-ce qu'il existe un moyen de servir dans une église sans être pasteur? Parce que, après tout, les pasteurs, on dirait que c'est le seul poste disponible dans les églises et quand on est pasteur, on est visible, on est vu, on parle en public et ça, c'est pas acceptable pour moi. Et on m'a dit, oui, dans les grandes églises où il y a 150 employés, évidemment qu'on peut passer dans les coulisses, mais bon, tu ne feras rien, entre guillemets, de spirituel. Il y aura juste de la technique, et encore, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et ça m'a tellement découragé. Mais à cette époque, j'avais encore ces habitudes de prière. Je priais de plus en plus régulièrement, et ça, ma vie de prière était de moins en moins fragile. Et avec Joséphine, les mois passent, on se demande, est-ce qu'on va vivre au Canada ou est-ce qu'on va vivre en France? On se pose toutes ces questions, et dans la vie de prière qu'on avait, on se rend compte comme une conviction qu'on va devoir vivre en France. Pire nouvelle que j'avais besoin d'entendre. Parce que qui dit la France dit plus petites églises, qui dit plus petites églises, impossibilité pour moi de servir. Donc, rentrer en France signifiait abandonner mon appel, abandonner mon engagement à servir Dieu, c'était abandonner tout ce que j'imaginais. Et dans cette même période, alors que, évidemment, toujours timide, toujours à fuir, toujours à mentir, à manipuler pour ne pas être vu, pour ne pas être sollicité, je me souviens d'une époque où l'église où j'ai été organisait une campagne de témoignage où toute l'église était invitée à partager un petit témoignage de 30 secondes et ça allait être mis sur Internet. On me propose, un des responsables de l'église vient me voir et je tairai son nom à nouveau, mais il vient me voir et me dit « Emmanuel, est-ce que tu ne veux pas, comme tout le monde, partager quelques mots de ton témoignage ?» Et moi, partager, c'était impossible, évidemment. Même que ce soit vu sur Internet, c'était pas acceptable, c'était impossible. Juste le moment où il m'a posé la question, j'étais peut-être juste figé et paralysé devant lui. Et je réfléchis, je lui dis bah non, je ne le ferai pas. » Et il me répond « De toute façon, tu n'auras jamais rien d'intéressant à dire, donc autant te taire tout de suite. » Et autant vous dire que j'étais d'accord avec lui. Je comprends que d'extérieur, c'est hyper blessant, et je comprends que c'est blessant, mais j'étais d'accord avec lui. Il avait raison. J'étais incapable de dire quoi que ce soit d'intéressant à ce moment-là. Et je me taisais déjà depuis bien longtemps, alors j'étais d'accord avec lui que j'allais encore me taire. Et il y avait cette timidité qui grandissait, ça n'allait pas de mieux en mieux d'année en année, non, c'était de pire en pire. Et cet exemple, cette anecdote montre à quel point ça s'intensifiait au fur et à mesure. Mais nous avions, avec Joséphine, toujours ces habitudes de prière, j'avais cette habitude de prière, et
une conviction née que oui, je dois en effet rentrer en France. Et alors que durant les fêtes de Noël, on rentre en France, je rencontre à un mariage un certain pasteur François Philippiac, le pasteur de Joséphine, que je n'avais jamais rencontré. Et il me propose de faire un stage dans son église. Alors je lui dis par politesse, je vais réfléchir et prier pour tout ça. Mais pour moi, c'était non, parce que c'était impossible que je rentre dans une plus petite église. Pour moi, c'était une église où il y a au moins des centaines d'employés pour passer dans les coulisses, pour être incognito, parce que sinon, c'était impossible pour moi. Alors je lui dis oui, mais ça voulait dire non. Mais nous avons cette habitude de prière. Et dans la prière, il y a cette conviction qu'en effet, ce n'est pas seulement rentrer en France, c'est rentrer en France et aller dans cette église pour y servir. Au moins pendant le stage, c'était cette conviction. Alors, finalement, on accepte et je rentre en France. Je me souviens des semaines avant de rentrer en France, j'étais tellement triste de rentrer, heureux de voir Joséphine, mais pour moi, tout mon avenir allait être catastrophique parce que j'allais dans un avenir qui ne me convenait pas, qui ne répondait pas à mon profil de timide maladif. Et alors, on rentre en France, j'ai quelques entretiens avec François au mois de mai-juin, et puis je sers, mais pas vraiment à l'église, puisque ça faisait très peu de temps. Et François me propose, eh bien, au mois de juillet, est-ce que tu veux apporter une prédication ? Et avec tous ces actes d'obéissance que j'ai fait, que de partir à Montréal, que d'accepter de rentrer en France, que d'accepter de rentrer dans l'église, je lui dis oui. Mais j'étais terrorisé. Et pour moi, après avoir dit oui, j'allais commencer à chercher comment mentir ou comment trouver un plan B pour ne pas être vu, pour ne pas monter sur l'estrade. Mais, encore une fois, j'avais cette habitude de prière. Et je comprends dans la prière cette conviction que oui, je dois le faire, je dois accepter. Alors, je ne mens pas, je ne cherche pas de plan B et j'accepte. 10 jours avant, au moment que je commence ma préparation pour mon message, évidemment que je réfléchis d'avance des regards des uns et des autres et je suis juste terrorisé, je me sens mal et simplement dans la préparation, assis sur une chaise, je suis déjà en train presque de suffoquer, de trembler, de suer. Et à ce moment-là, je prie et pour la première fois depuis des années, j'ai comme un sentiment tout à fait différent. Il y a comme cette paix qui vient, il y a comme la providence de Dieu qui commence à se faire ressentir et je ne comprends pas cette sensation, je ne comprends pas mon esprit qui est comme changé. Il y avait toujours de la peur et pour la première fois, il y a comme un sentiment différent que je ne suis pas capable de mettre les mots dessus. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais travailler et puis on verra comment ça se passe. Après tout, j'ai tellement obéi, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu est fidèle. À un moment donné, après des années d'obéissance, il faut quelque chose derrière. Et alors, le dimanche matin en question, à peine 1 ou 2 minutes avant de monter sur l'estrade, François faisait les annonces. J'écoutais à peine tellement j'étais terrorisé. Et cette conviction qui vient en moi et qui est tellement magnifique, et j'ai comme une phrase qui reste gravée dans ma mémoire. Ça n'aura pas beaucoup de sens pour vous, mais ça a eu tellement de sens pour moi. Cette phrase, c'était juste « Sois excité à l'idée de parler de la Bible, sois excité à l'idée de parler de Dieu. » Et à ce moment-là, il y a toute la timidité qui a été bannie, et une sérénité, une confiance qui est venue. Évidemment que je suis monté sur l'estrade, et évidemment que plus jamais j'étais timide, non seulement ici, mais à l'extérieur. Et plus jamais à l'extérieur, je n'ai eu peur. Joséphine peut en témoigner. On peut se balader, j'ai plus aucun problème. On peut voir des inconnus, j'ai plus aucun problème. Et toute la timidité est partie parce que depuis des années, il y a eu ces actes d'obéissance. Et depuis des années, il y a eu ces habitudes de prière qui ont permis aujourd'hui que je sois là à servir Dieu avec joie, avec fierté. Cette bonne nouvelle, elle est pour chacun d'entre nous. Je crois que chacun d'entre nous, on a nos défis, on a nos fardeaux, et certains pèsent depuis bien trop d'années. Si nous avons dit il y a 2 semaines qu'en 2021, c'était l'année où les fardeaux disparaissaient enfin, ce n'est pas pour rien, parce que les promesses de Dieu sont actuelles. Il est temps pour nous d'avoir ces habitudes de prière, et alors qu'on obéit, on est prêt à sacrifier pour obéir, on est prêt à tout faire pour obéir, à un moment donné, Dieu agit, à un moment donné, Dieu intervient, et il y a enfin de la fierté et de la joie à obéir à Dieu lorsqu'on le voit agir, lorsqu'on comprend ses promesses. Amen. Je veux que ça nous encourage chacun d'entre nous. La vie de prière, l'habitude de prière est nécessaire. Si ni Joséphine ni moi n'avions eu ces habitudes de prière, bon, déjà on aurait rompu un an après avoir été ensemble. On n'aurait pas vécu ni en France ni au Canada. On serait pas été dans cette église. On aurait cherché une autre église dans la région. Je ne serais même pas en train de servir Dieu. Et il y aurait rien de tout ça. L'habitude de prière est nécessaire pour construire sa vie. Dieu seul est capable de nous permettre de faire les bons choix, d'avoir une pleine maîtrise de la situation. Et là où on se pense incapable, Dieu est capable de faire bien plus, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Quand on lit Marc chapitre 1er, il y a un élément qui précède le début du ministère de Jésus. Il y a un événement qui précède les enseignements, les miracles, les guérissons de Jésus. Et cet élément, le voici, on va le lire ensemble, Marc chapitre 1er, au verset 12. « Aussitôt,
L'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Cet événement, il est repris également par Matthieu et par Luc. Et lors de cet événement, on apprend que ce n'est pas juste une retraite de 40 jours, mais c'est une retraite où Jésus va jeûner et prier pendant 40 jours. Évidemment que cette semaine, nous avions prévu de faire une semaine de jeûne et prière. Je l'ai dit, elle allait être repoussée. Et si après, ce n'est pas possible, on la fera sous d'autres formes. Mais, combien même nous ne le faisons pas physiquement tous ensemble en Église, je pense qu'il est de notre devoir de commencer cette année avec du jeûne et prière, quoi qu'il arrive. Lundi et mardi, moi, je vais jeûner et prier, même si je ne suis pas à l'Église, même si je ne suis pas en contact avec vous physiquement. Je nous encourage, durant les 2-3 prochaines semaines, à inscrire dans notre agenda une période, un rendez-vous, un moment, une heure, une demi-heure, 2 heures de jeûne et prière. Si Jésus, Dieu incarné, a eu besoin de se préparer par le jeûne et la prière pour vivre toutes les promesses de Dieu, si Jésus a eu besoin de cette préparation à plus forte raison, alors qu'on entre humblement dans cette année 2021 avec tellement d'attentes, tellement d'espoir, à plus forte raison, nous avons besoin de jeûner et de prier. Nous avons besoin de se saisir de ce temps pour, dans un moment de privation, on se prive de nourriture, on se prive de ce qu'on considère comme essentiel, on se prive des hobbies, on se prive des activités pendant un instant, pour prier et offrir ce moment d'intercession à Dieu. La vérité, c'est que si dans les 3-4 prochaines semaines, on n'est pas capable de fixer un instant de prière, comment allons-nous être capables de prier durant cette année? Je crois qu'il est de notre devoir de fixer, de sceller dans notre agenda, dans notre journée, des moments de prière, des moments de jeûne et prière pour pouvoir démarrer cette nouvelle année en vivant les promesses de Dieu. Je vais appeler les musiciens à venir sur le devant alors que dans un instant, on va chanter un chant, on va chanter « Nous venons dans ta présence », le deuxième chant de tout à l'heure. Durant ce chant, plus que de chanter des paroles, engageons-nous envers Dieu. Engageons-nous envers Dieu. Plus jamais une opportunité de prière oubliée. Plus jamais une opportunité de prier perdue dans le temps et dans les activités. Mais au contraire, défions-nous les uns et les autres dans la prière. Prions chaque jour, durant les 365 prochains jours, prions.